Ce n'est pas que le bois en lui-même lui parut une chose honteuse à cet homme même. Non, même une main en bois qu'il lui trouvait par hasard, il l'aurait serré volontiers. Que cette main en bois lui appartenait n'était pas non plus ce qui le rendait honteux. Non, il y avait honte qui ne se résonne pas. On pourrait croire que ma fable s'arrêta avec cette morale déjà forte. Dans la mesure du possible.
possible, juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous entraider si nous pouvions. Les êtres humains sont faits ainsi. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain. Dans ce monde, chacun de nous a sa place. Notre terre est assez riche, elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pourrions tous avoir une belle vie libre, mais nous en avons perdu le chemin. L'avidité a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour finir par nous retrouver enfermés en nous-mêmes. Les machines nous apportent l'abondance et nous laissent néanmoins dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a rendus cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous pensons beaucoup trop et ne ressentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés, nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. La
la honte, c'est la honte.